là, nous avons réussi à barrer le ruisseau pour attraper le poisson et... Oh. Eh bien, fais quelque chose. Oui, oui, j'y vais. Ah, on pouvait pas savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, bonjour Gretel, bonjour Fritz. On est venu voir comment vous allez. Oh, tout à fait bien. Où est Guillaume? Là-haut, en train de pêcher. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici? Oh, ce n'est rien. Pourquoi toute cette eau? Je suppose que c'est un peu humide. Humide? Dis-lui, Fritz. Ne vous inquiétez pas, Ada. Nous nous sommes réunis en bas au village et... Nous savons que vous n'aimez pas mêler les gens à votre affaire, décidé de ne pas travailler aujourd'hui et on est tous venus pour voir si on pouvait rendre cette grotte plus confortable. Oh, c'est très aimable à vous, mais il y a tellement... Allez, venez tout le monde! Entrez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Guillaume. On vient vous donner un coup de main pour la caverne. Je pense qu'on pourrait murer le devant. Et niveler le sol et le pavé aussi. Et faire quelques armoires pour Ada. Quelle belle chose que d'avoir des amis. Nous sommes fiers de t'aider. Allons, tout le monde au travail. Il y a des nouvelles de Waldorf ce matin. Le prince Charles va passer ici cette nuit, se dirigeant vers l'Autriche. Charles le boucher, le cousin de l'empereur. Oui, le héros de l'Empire. Les Autrichiens l'aiment bien. Ils disent que sa popularité rend l'empereur jaloux. Guillaume, nous avons une chance de pouvoir venger nos compatriotes qu'il a massacrés sur le rivage de Lucerne. Ah, Charles ne voyage jamais sans une armée. Il vaut mieux attendre. Notre tour viendra. De Bouilly? Son Altesse a fait campagne. Elle en a assez du menu de la troupe. Trouvez mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau de vaisselle? Vous voulez donc empoisonner notre hôte royal? Le prince Charles est signalé, monsieur le bailli. Il approche de la ville. Mon épée, vite! Deux officiers venant d'Autriche désirent vous parler, monsieur le bailli. Oh, pas maintenant. Ils disent que c'est très important. Eh, faites-leur mes excuses. Dites que je vais au-devant du prince. Deux officiers venant d'Autriche, monsieur le bailli. Eh, je sais. Ils n'acceptent pas votre refus. Ils disent qu'ils ont un important message et veulent vous voir immédiatement. Et comment s'appellent-ils? Capitaine Bolf et capitaine Mado. C'est bien, amenez-les. Monseigneur Gessler, très honoré. C'est fort aimable à vous de nous accorder cette entrevue. Vous désirez? Nous voudrions vous parler seul à seul. Vraiment? Mais, gentilshommes, vous avez des noms suisses. Parce que nous sommes suisses. Mais nous avons combattu plusieurs années dans l'armée de l'Empire. Voilà qui est très louable. Quel est cet urgent message? Monsieur le bailli n'a pas confiance. Oh, si nous étions autrichiens. Montre-lui la lettre. Mais bien sûr. La voici. Comme vous le voyez, elle est de notre maître. Qui est aussi votre maître. L'empereur. Puis-je vous verser un verre de vin, capitaine Mato? Merci, capitaine Bolf. À votre bonne santé, bailli Gessler. Un vin de roi, monsieur le bailli. Je me réjouis qu'il vous plaise. Frédéric, je voudrais parler seul à seul avec ces gentilshommes. Vous voyez, bien que nous soyons suisses, l'empereur nous fait confiance pour les affaires de haute diplomatie. Je ne sais si l'on peut qualifier cet acte de diplomatie. En tant que loyal serviteur de l'empereur, il est de mon devoir de mener cette affaire à une rapide et définitive conclusion. Alors, que puis-je faire pour vous? Si vous vouliez nous loger dans votre palais pour cette nuit, vous pourriez en toute sûreté nous laisser faire le reste. Nous avons l'expérience de ces affaires. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Encore une petite chose. Voulez-vous préparer notre récompense en or de très bonne heure demain matin? Par exemple, un peu avant l'aube. Nous préférerions être à plusieurs bonnes lieues d'ici quand ils entreront chez le prince Charles demain matin et qu'ils le trouveront mort.
Son Altesse Royale, le prince Charles de Habsbourg, monsieur le bailli. Que votre Altesse me pardonne de ne pas l'avoir reçu aux portes de la ville, j'ai été malheureusement retenu. Un urgent message de l'empereur. Je ne voudrais pas, monsieur le bailli, interrompre des affaires aussi importantes. Et qui sont ces gentilshommes? Des officiers suisses, votre Altesse, servant dans les forces de l'Empire. Ah, excellent. Je souhaiterais voir plus de vos compatriotes servir dans nos forces. Ce sont des paysans, votre Altesse, qui ne comprennent absolument rien aux affaires d'État. Bien sûr. Que puis-je pour votre service? Pauvre imbécile. Laisse le coq s'égosiller. Il ne chantera pas à l'aube demain. Votre besogne est faite. Avec le plus grand succès. Donnez-nous notre récompense et nous reprendrons la route. Attendez. Ce n'est pas pressé, mes amis. Garde! Arrêtez ces hommes, ce sont des espions. Relâchez-nous tout de suite ou vous en répondrez à l'empereur. Puisque vous me menacez, il serait sage de consulter une haute autorité. Frédéric, allez réveiller son Altesse le prince Charles. Demandez-lui s'il veut bien nous accorder l'honneur de sa présence. Attachez-les. Je ne sais quel est votre jeu, mais il pourrait être dangereux, monseigneur. Nous verrons. Seigneur bailli, seigneur bailli, le prince Charles a été poignardé. Poignardé à mort. Cette lame est humide. Je vous accuse tous deux de meurtre et de haute trahison. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous échangions un mot ou deux en particulier. Ils peuvent avoir des aveux à me faire. Sortez de cette pièce. Restez derrière la porte. Êtes-vous fou? Non, capitaine. J'exécute ponctuellement toutes les instructions de notre maître, l'empereur. Il ne veut pas qu'on suppose qu'il a loué des assassins pour le meurtre de son cousin. Ben, et si le prince avait été tué par des patriotes suisses, ce serait tout différent, surtout si ces patriotes étaient livrés à l'Autriche pour exécution publique. Ah, c'est dommage que vous deviez mourir. Les hommes de votre talent sont rares. À vos services me serait précieux. Je vais vous faire une proposition. Je souhaite d'être débarrassé d'un hors-la-loi nommé Guillaume Tell. Quand les Suisses sauront votre exploit, vous serez pour eux des héros nationaux. Demain, je vous expédierai enchaîné et bien gardé en Autriche. Mais je veillerai à ce que la route que vous prendrez passe chez Guillaume Tell. Et je veux être sûr que la nouvelle de votre voyage soit connue de tous. Nous pouvons être certains que Guillaume Tell voudra vous délivrer. Alors, si vous jouez bien votre rôle, vous serez reçu avec enthousiasme et entrerez dans sa bande. Le reste ne sera pas très difficile. Quand vous m'aurez débarrassé de lui, passez en Italie par la montagne et vous serez largement récompensé par mes agents. Aimez-vous mon petit plan? L'aimer? Nous n'avons pas le choix. Thank you.
Grande nouvelle! Un grand jour pour la Suisse! Le prince Charles Boucher est mort! Comment c'est arrivé? Eh bien... Oh, veux-tu rentrer? Viens, Walter. Exécuté par deux vrais patriotes qui sont entrés au palais cette nuit. Ils se sont échappés? Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Deux vrais héros, Bolf et Mado. Leurs noms seront inscrits dans l'histoire. On leur a laissé la vie sauve? Oui, la vie sauve, mais enchaînés sous la garde des Autrichiens. Ils doivent approcher du défilé maintenant. Combien y a-t-il de gardes? Pas plus de 8. C'est peu pour des prisonniers si importants. On dirait que le bailli n'a pas vraiment peur de les perdre. D'où tiens-tu ces nouvelles? D'un courrier du juge Forst. Qu'est-ce que nous attendons? Fritz, j'ai besoin d'une très longue corde. J'en aurai une au village. Que les Autrichiens ont fait quand Guillaume s'est lancé au-dessus de la cravate. Oh, on aurait dit un oiseau qui s'envole. Un superbe plan est bravement exécuté. Vous avez un père extraordinaire, jeune homme. J'aurais voulu être avec lui. Quels sont vos plans maintenant que vous êtes libre? Nous sommes hors la loi, je le crains. Ici, vous êtes chez des amis. Nous vivons pour servir la patrie suisse. Nous avons du travail pour vous. Nous ne craignons pas le danger. Je n'en doute pas, mon ami. Et nous serons fiers de vous prendre dans notre bande. Hé, hey, Guillaume! Votre verre est vide. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous rejoint l'armée autrichienne? C'était il y a de nombreuses années. Nous étions de jeunes têtes chaudes et nous cherchions l'aventure. Mais quand les Autrichiens ont envahi la Suisse, nous avons déserté. Nous voulions défendre notre patrie. Pourquoi le bailli Gessler accueille-t-il les déserteurs? Je n'aime pas ces paroles. Doutez-vous de notre loyauté? Oh, ne te fâche pas, Bolf. Guillaume est un chef prudent. Il a raison de nous poser ces questions. Non, le bailli Gessler ignorait que nous étions déserteurs. Nous prétendions que nous avions des ordres pour aller en France. Apprenant que le prince Charles devait visiter Altdorf, nous avons pensé que c'était une merveilleuse chance de frapper un coup pour la liberté. Voulez-vous poser d'autres questions? Non. Peut-être froid. Je vais vous chercher quelque chose. Je peux vous aider? Nous n'avons pas grand-chose ici. Nous ferons de notre mieux. Ah, voilà une arme faite à la main. Mon père l'a faite pour moi. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle pique comme une aiguille. J'ai tué un chamois à 50 toises. C'est vrai? Je suppose qu'il n'y a pas possibilité d'une attaque de nuit. Nous sommes bien cachés. Oh, tout de même, j'aurais aimé pouvoir me défendre. Nous n'avons aucune arme sur nous. Celle-ci vous plaît? Oui, merci. Moi, je préfère une dague, si vous en avez une. C'est une arme mieux en main pour la nuit. Merci. Par là. Tenez. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi, je trouve que c'est la meilleure grotte du monde. Va vite dormir. Nous y voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de paille sèche. J'espère que vous serez bien. Oh, on a l'habitude. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. J'ai pas aimé ces questions qu'il a posées pendant le souper.
Oh, n'ayons pas d'inquiétude. Je crois avoir écarté ses soupçons. C'est pour cette nuit, hein? Oui. Donnons-leur une heure ou deux avant de commencer. Ces paysans dorment comme des veaux. C'était un peu risqué de grimper vers vous aussi tard dans la nuit. Nous venons pour vous dire qu'il y a des lumières qui montent de la vallée. Montrez-les-moi. On pensait que c'était les Autrichiens. Oui, Bolf le pensait. Je lui ai dit que c'était probablement les villageois, mais il insistait pour qu'on vous le dise. Je ne vois pas de lumière. Alors ça doit être les Autrichiens. Ils ont entendu les cloches des vaches éteindre les lumières et ils grimpent dans le noir. Où avez-vous vu ces lumières? En bas, sous la falaise. La falaise? Oh, ce n'est rien. C'est tout simplement des feux follets. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne plaisante pas. Elles sont là toutes les nuits. Bon, je retourne me coucher. Non, attendez un peu. Écoutez, au cas où ces feux follets seraient des ennemis, ne serait-il pas mieux de monter la garde? Faites-le si vous voulez. Moi, je retourne dormir. Tu devrais aller dormir, Walter. Qui sont ces gens-là? Je ne sais pas. Des espions, peut-être. Venus pour te tuer? Descendons au village pour demander de l'aide. Non, ça ne servirait à rien. Je veux savoir si ce sont des patriotes ou des traîtres. Et je ne l'apprendrai pas en m'éloignant. Je vais faire le guet toute la nuit. Va te coucher, toi aussi. Il n'a pas cru un mot de notre histoire de lumière. Oh, je ne sais pas. Ces montagnards peuvent bien croire au feu follet. Qu'il ait des soupçons ou pas, il vaut mieux ne pas essayer cette nuit. Non. Nous essayerons dans la matinée. En attendant, moi, je crois qu'il vaut mieux prendre notre tour de garde. Je n'aimerais pas qu'il nous surprenne. Son arbalète est dangereuse. Bonne idée. Je prends la première garde. Ça vous tente? C'est un piège. Magnifique journée. Oui. C'est un beau jour pour chasser. Tenez. Je ne peux vous offrir qu'une arbalète, mais vous pourrez partager. Nous aurons beaucoup de gibier. Venez. Réveille-toi, Walter. Où est père? Il devrait être là maintenant. Chassé et il m'a pas emmené. Parce que tu étais en train de dormir. Il aurait pu m'éveiller. Allons, viens déjeuner.
Regardez, Guillaume, les traces de bouquetin. Ce ne sont pas des traces de bouquetin, et vous le savez. Je croyais t'avoir dit de rester à la maison. J'ai pas eu raison de te désobéir. Marching behind William Tell, we rebel in the cause that is just. Marching behind William Tell, we know well that our sword will not rust. Free, we shall fight to be free. It's our right to be free. And united we cry, conquer or die. For the tyrants to blight, and united we cry, conquer or die. Marching behind William Tell, we rebel in a cause that is just.